Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial SILA sous Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité ici en Haïti, divers coins dans la capitale la levée jeudi 1er février 2024 en bas gros pression, précisément département centre pays d'Haïti, dans ville Inch, côté divers moun nan population, te foulé béton pour te exiger départ premier ministre Ariel Henry, côté te gagné caoutchouc qui t'a boulé. Et après elle gagne un complexe administratif qui arrivait fermé par moun sa yo qui était en colère yo même yo dit fok Ariel Henry quitter le pays. Et bien c'est pas seulement dans Inch, c'est pas seulement dans département centre pays d'Haïti, mais dans département l'ouest tout précisément dans commune Delma, t'après elle gagne une situation tension côté en pile coup de balle t'ap chanté et population dans commune là t'ai gagné gros cœur cassé et ti moun qui était à l'école t'ai obligé à tourner rapide et dans même occasion que l'école qui décide fermer porte yo pour jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs, dans ça qui gen pour assassinat et président Jovenel Moïse, gagné commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Jean-Edler Guillaume qui dans réquisitoire définitif li adressé avec juge Walter Wessel Voltaire qui c'est juge qui a instruit dossier qui gen pour assassinat et président Jovenel Moïse da li adressé. Et bien, réquisitoire ça, côté gagné une quantité de noms qui cité dans dossier si là. Parmi moun sa yo, genye Madame Wendell Koch Telo, qui genye non cité nan dossier sa, genye ancien sénateur John Joel Joseph, qui genye non cité comme auteur nan assassinat Jovenel Moïse, Dimitri Ra, chef sécurité palais national la, non cité nan rapport, Joseph Félix Badio, li même nan réquisitoire sa, non paret, mesdames et messieurs, genye Joseph Vincent, non tout qui cité nan cadre réquisitoire sa, gagnien et la guerre civile non paraît dans l'ismoun qui était comploté pour tuer Jovenel Moïse. James Solage non lui-même tout lui figurer dans l'ista ancien sénateur Antonio cher ami lui-même qui gagnien non qui cité dans ça qui gagne pour assassinat et président ancien directeur police nationale Léon Charles lui pas épargné dans moun sa yo. Christian Emmanuel Sanon non fait partie de l'ismoun sa yo et gagnien yon quantité l'autre monde qui gagne non qui paraît, mais nous pas gen temps pour citer tout. N'a invité ou rete suivre journal là dans reste journal là n'a gagné pour nous baoul gagné responsable parti EDA qui gagne non cité dans assassinat Jovenel Moïse tout. Et bien Claude Joseph qui lui-même t'est adressé avec la presse journée jeudi a pour dire yo lancé mobilisation manche longue dans quatre pays pour eux-mêmes yo exiger départ premier ministre Ariel Henry qui sont incompétents pendant que l'inan pays a depuis environ 30 mois c'est pas rien sérieux l'a réglé. L'autre point dans actualité a mais c'est dans international là gagne militant otio ak nouveau recruté yo dans Yémen qui paraît pour porter main forte ak militant amasio face ak l'armée israélienne qui pas suspendre tout pizio dans Gaza. Toujours dans international gagne États-Unis qui arrivait imposer une nouvelle sanction à Venezuela après un tribunal vénézuélien disqualifié un candidat vénézuélien pour ne pas participer dans la course électorale. Réaction Nicolas Maduro sous dossier ça, nous allons joindre dans la Voix de l'Amérique. Rendez-vous, nous invitons à suivre pour plus de détails. Jacques-Lin Bélizère, yon plaisir l'autre fois encore pour nous présenter yon programme dans la langue créole. Haïtien, moi c'est Jacques-Lin Bélizère, quelques nan grand point cap dominé, actualité. Actualité internationale, militant outio ak nouveau recruté dans Yémen, disposé à l'poté collé ak militant Amasio contre l'armée Israël qui continue à pilonner Gaza. États-Unis imposé nouveau sanctions contre Venezuela après un tribunal vénézuélien disqualifié yon candidat dans course électorale. Nous va gagner entre autres réaction président vénézuélien Nicolas Maduro. Et puis dans pays d'Haïti, parti aidé ak tout ancien premier ministre Claude Joseph qui gagne un mandat d'arrêt de yel, rencontré la presse pour demander départ premier ministre Ariel Henry. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore que nous pourrons développer pour dans un petit moment. Jeudi, c'est jeudi 1er février 2024. Merci d'être choisi VO Acrole pour informer. Nous souhaitons nous tous passer un bon mois février. Actualité à mener nous d'abord dans la région Moyen-Orient.
Oui, actualité concernant la région Moyen-Orient, c'est guerre Israël Hamas la cap continue. Militants outillo ak nouveau recruté dans Yémen disposé à poté collé avec militants Hamas dans Gaza pendant ce temps et l'armée israélienne continue à pilonner Gaza. Gentil Augustin Junior gain une mise à jour. Nouveau recruté outil dans Yémen ak l'autre membre fait yon parade dans Sanaa jeudi 1er février 2024 là pour montrer zamyo et puis di y a pote sipò yo pour palestinien dans Gaza. Yon l'autre côté, population gazaouia commencé à inquiéter pour conditions humanitaires yo si toutefois donateur yo ta coupé totalement financement agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo. Moi pense li lè pour communauté internationale là ak États-Unis li même que mission UNRWA doit finir. Moun ki déplacé nan Rafah, jeudi 1er février ya, te exprimé gros inquiétude yo après premier ministre israélien yan Benjamin Netanyahu te mandé ayer mercredi 31 janvier ya pour fermer UNRWA. Si aide la coupé, peuple palestinien pral mouri grand goût et situation pral déplorable. Nou mandé frère nou yo nan Nations Unies, UNRWA pour yo continuer aider peuple palestinien yan parce que yo a plaide déplacé et puis yo sans caille. Pendant palestinien yo a inquiété yo pour conditions humanitaires yo dans Gaza cap aggravé, l'armée Israël la dit jeudi ya que troupes li yo touye plusieurs douzaines terroristes. Nan jou ki sot passé ya nan bataille nan région Gaza. Yon l'autre côté, groupe armé Hamas la publié yon vidéo édité ayer mercredi 31 janvier ya qui montre affrontement ak soldats israéliens yo dans Gaza. Reuters te capable confirmer côté vidéo a sorti ak sign building ki tout près ak poteau électrique ki semblé ak image satellite la. Nan même mercredi 31 janvier ya, militaire israélien yo te publié yon vidéo ki montre soldat yo ki te blessé. Yo tap évacué nan hélicoptère nan Gaza. Pendant la guerre a intensifié dans région Gaza entre l'armée Israël la ak groupe armé Hamas la, nouveau recruté outil ak l'autre mambio te fait yon parade dans Sanaa jeudi 1er février ya pour montrer zam yo et puis di y a pote sipò yo pour palestinien yo. Des centaines de milliers yémeni paré pour voyager dans Palestine pour pote sipò yo ak frère Mujahidin nou yo dans Gaza pour combattre occupation israélienne. Nous paré tout pour n'importe mission. La guerre dans Gaza t'est commencé les militants Hamas qui sorti dans Gaza t'est envahi site peuple Israël là 7 octobre 2023. Touye 1200 moun ak 240 otages d'après officiel Israël yo. Nan réplique la mais Israël la ak attaque sa, au moins 27019 Palestiniens getan mouri ak 66139 blessés d'après sa ministère santé Gaza te di jeudi 1er février 2024 la. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. N'après toujours dans actualité concernant région Moyen-Orient surtout concernant guerre entre Israël avec Hamas là gain sous secrétaire général Nations Unies pour affaires humanitaires dans Nations Unies même il fait un plaidoyer devant Conseil sécurité a pour mander donateurs pour pas couper financement yo bay agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens au noir Valérie Saint-Louis. Nations Unies dit que la prend action rapide pour mener bon gens enquête sous accusation que porté sous deux employés agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens qui relaient tout UNRWA et qui selon accusation que mettait sous deux employés agence là ont participé dans attaque terrible ça qui était faite dans date 7 octobre là sous peuple Israël là. Martin Griffiths, sous-secrétaire général Nations Unies pour affaires humanitaires, te prend la parole devant Conseil sécurité a hier mercredi 31 janvier. Il te dit que une enquête déjà sous pied. Firmly one of those appalled by the allegations, the accusations, and not the accusations, but the idea that some UNRWA employees were allegedly involved in the attack of Israel on the 7th. Moi c'est yon nan moun ki saisi en pile de accusations sa yo, allégations sa yo, pas accusations, mais l'idée que quelques employés agence UNRWA ta soi-disant participé dans attaque contre peuple Israël là dans date 7 octobre là moi ouais film ça déjà allégation ça yo j'en nous t'étendé secrétaire général a te dit hier yo pral bien vite garder yo et yo pral adresser yo avec transparence et agence UNRWA te prend action rapide pour joindre preuve sous accusation ça yo et puis yon investigation déjà sous pied.
Martin Griffiths a averti communauté internationale là que camper financement agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens ou UNRWA pral seulement fait palestiniens plus mal. Griffiths a dit: "Our humanitarian response for the occupied Palestinian réponse humanitaire nous pour territoire palestinien occupé complètement dépend sous financement adéquat et opérationnel des agences UNRWA. Service pour sauver la vie moun que agence UNRWA a bayo, Jean Empile état membre yo te mentionné hier, touché plus passé 3-4 résidents Gaza yo. Service sa yo pas ta doué affecté par accusation que soi-disant action kek moun ta fait. C'est une question de disproportion extraordinaire. UNRWA's life-saving services réponse humanitaire nous pour territoire palestinien occupé dépend complètement des agences UNRWA qui financent et qui a bien fonctionné. Et nous te mettre assuré nous que nous tout prêts à faire tout effort nous pour essayer de faire ça arriver une façon qui satisfait condition yo dans neutralité et assurance pour monde qui intéressé yo qui donc donateur yo. Capacité agence communautaire humanitaire pour river joindre monde dans Gaza yo et bailler au secours était totalement insuffisant. Sous-secrétaire général des Nations Unies pour affaires humanitaires Martin Griffiths fait une plaidoirie, mandé tant pris souple pas couper financement l'argent. Elle était insisté tout sur nécessité pour élargir point d'accès dans Gaza aux gens pour permettre plus aide sortie dans pays l'Égypte avec Israël pour venir porter moun yo secours. N'a pas rappelé que accusation ça qui était faite contre employé agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo t'est poussé États-Unis avec plusieurs autres pays freeze bloquer l'argent qui important en pile pour agence humanitaire ça qui c'est un sauveur pour palestiniens yo qui yo même désespéré dans zone Gaza. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'autre point dans l'actualité internationale. Là, il y a les États-Unis qui imposent nouvelles sanctions contre le pays Venezuela après un tribunal disqualifié un candidat dans l'opposition dans la course électorale. Là, Jean-Robert Philippe a suivi de très près pour nous dossier ça. Et Jean-Robert Philippe, tu as semblé que déjà il y a une réaction, notamment président Nicolas Maduro, qui déjà réagit sur ce sujet ça. Effectivement, Jacques, je dis, la décision de l'administration américaine prend, en fait, il vient créer un problème sous des tentes qui ont commencé à gagner entre deux pays, sous affaire otages, bourrantes et prisonniers qui ont commencé à gagner. Mais qu'on y a, même le président Maduro, en réaction avec sa administration, en fait, sanction, mais lui-même dit que lui-même dit qu'il doit même camper sous décision qu'il prend pour lui accepter et immigrants que les États-Unis ont déporté Bali, si c'est comme ça, il n'a pas amélioré. Donc, ce sont des dossiers qui sont vraiment chauffés. Et ça arrive exactement dans le moment où le Venezuela paraît une élection qui a semblé pas de participation opposition à la donne. Sanctions à l'administration américaine imposées sur une compagnie mine Venezuela mettait leader et les autorités PIA devant un choix. Permettre déroulement une élection compétitive ou bien faire face à conséquences économiques. Le comportement président Maduro a pris annonce sanction et semblait préférer faire face à conséquences économiques et hôpitaux. Tellement vrai, leader vénézuélien chante louange pour décision pigo tribunal pays à prendre pour écarter dans l'élection principale rivale, Maria Corina Machado. Nada me va detener. Nothing is going to stop me. Président Maduro déclaré, pas gagné, cap campé. Même pour lumière rouge, moi pas campé. M'a continué gourmé, m'a continué protéger nous. M'a continué diriger pays à support peuple vénézuélien. Position ça a des conséquences pour ni États-Unis ni Venezuela. Président Maduro, qui supporte la décision pour disqualifier Rivali dans l'élection, capable de souffrir en pile à cause des besoins d'argent pour du pétrolier. Défi ça, capable d'affecter plus toujours souffrance population. Venezuela, c'est pays qui a plus de monde qui déplacé dans le monde blanc à cause de crise là. Plus, passé 7 millions de Vénézuéliens partis quitter le pays pour aller surtout aux États-Unis dans les dernières dizaines d'années qui passaient. La Maison Blanche fait qu'on est régime à droite et promettre pour faire réforme en 2023 et d'y espérer à la respecter pour mettre ça. The Maduro regime made commitments back in the fall. John Kirby, directeur de communication et stratégique Conseil de sécurité nationale des États-Unis, parlait pour dire que le régime a droit de prendre engagement l'année passée pour élection honnête et juste déroulée dans le pays avec participation active opposition. Il y a jusqu'à la saison printemps pour mettre en application l'engagement sérieux. On a observé avec un peu d'attention. Cependant, Maduro demande Washington d'une façon différente. Le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, considère les États-Unis comme un pirate.
Candidat EKTA, Maria Corina Machado, fait remarquer 3 millions d'électeurs supportés dans l'élection primaire mois octobre passé. Donc, il considère la décision tribunal la prend pour retirer l'encoussa comme une délinquance judiciaire. Moi, représenter la souveraineté populaire. Il n'est pas capable de faire élection sans moi-même, non plus tout, sans participation, plusieurs millions de Vénézuéliens qui ont voté pour moi dans l'élection primaire. Est-ce que Washington a continué à mettre pression sur Maduro ou bien est-ce que le président Maduro lui-même a quitté le pays à plonger dans la crise économique là? Analyse n'a pas de assurance. We're in a situation where Maduro is getting almost everything he wants. While the US in return. Eddie Acevedo, chef personnel Wilson Center, qui t'a parlé dans Zoom, déclaré, nous trouvons dans une situation côté Maduro presque vient tout salivler, pendant que les États-Unis pas venu en pile, qui pas bon pour cause liberté et démocratie au Venezuela. Moi, t'as préimposé nos sanctions à tout niveau et contre le gouvernement qui est des régimes. Non. Pendant que Caracas gagne jusqu'en avril pour envisager possibilité ça, et puis fixer une date pour l'élection, quelques Vénézuéliens ont continué de supporter le président Maduro pendant qu'un pilote a marché dans l'autre direction. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Aubert. Et actualité à peine nous dans Washington, côté responsable Meta, TikTok et l'autre réseau social témoigné dans une audition Piment Book Sénat États-Unis sous exploitation Timoun. Un reportage Sandra Lemaire. The change we all deserve. Prédateur sexuel, fonctionnalité addictif, suicide ak trouble alimentation, standard beauté qui pas réaliste, intimidation, c'est quelque parmi problèmes qui tracassé jeunesse là sur réseaux sociaux. Militants qui défendent droit timoun yo ak parlementaire américain yo dit compagnie qui gère réseaux sociaux yo pas fait assez pour protéger timoun yo. C'est comme ça mercredi PDG Meta TikTok X ak l'autre réseau social yo te témoigné devant commission judiciaire Sénat. Audition en temps main ak témoignage yo te enregistré côté timoun yo ak parents yo raconté ki jan yo exploité yo sur réseau social yo. Pendant audition qui durait plusieurs temps, parents qui perdit petit yo à cause suicide te kembe en silence photo défunt petit yo. T'es gain en session question-réponse bien chauffée avec Mark Zuckerberg, qui c'est PDG Meta, côté sénateur républicain Josh Hawley, qui représentait État Missouri, t'es demandé s'il y compensait personnellement aucun parmi victimes ou acte famille pour misère yo passé à. I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Zuckerberg te répond li pa kwè et puis sénateur a te mandé pour qui ça est-ce que li pa kwè yo mérité pour réseau a compensé yo disposer service conseiller qui travaille ak ti moun pour yo aider yo faire face avec problème réseau ça yo causé. To find harmful to make content, money. Take it off the services, to make money. And to build tools that empower parents. Parents qui étaient assistés audition, hein, levé campé et puis montré photo petit yo. Zuckerberg t'est campé tout et il était fait face à yo pour parler avec yo directement. Il dit au moins regret trahi nous passé. Personne pas t'adoué souffrir, qualité bagaille famille nous souffrir. C'est peut-être ça nous investit en pile, nous investit espoir nous, à gros efforts nous tout, pour nous assurer que ça pas arrivé. Personne pas voulu ou est aucune famille souffrir, genre que famille nous yo souffrir. Cependant, pendant toute audition, militants qui défendent droit timoun yo ak parents yo, te souligné que aucun parmi compagnie technologie yo pas fait ça assez. Sénateur Hawley mettait pression sur Zuckerberg et puis mandil s'il prend responsabilité pour dégâts compagnie li causé. Monsieur te répété pour dire travail Meta c'est créer des outils qui bay parents yo pouvoir pour yo gérer problème ça yo. Sénateur républicain Caroline du Sud, là, Lindsey Graham, qui s'est même pire placé commission judiciaire, t'es poté collé avec sénateur démocrate Dick Durbin pour dire que l'y paraît pour travailler avec démocratio pour résoudre problème là. Il dit PDGO, plateforme yo enrichi la vie moun, mais qu'on y a, il est pour faire face à côté semblant. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer aux actualités dans le pays d'Haïti dans un petit moment.
Merci d'être branché VOA Creole. Quand nous parlons dans le pays d'Haïti, et côté dans Port-au-Prince, leader parti politique aidé, ancien premier ministre Claude Joseph, qui gagne un mandat et d'arrêt d'ailleurs, eh ben, il rencontré avec la presse côté que il lancé un mouvement mobilisation contre premier ministre Ariel Henry. Massado Vilme, t'es sous place. Aidé, lancé dans tout le pays. Mobilisation 5, 6, 7 février 2024 pour capoter pouvoir sanguinaire, pouvoir manfoubin, pouvoir insouciant Ariel Henry à diriger. Lancement mobilisation pral commencer devant résidence officielle Premier ministre Ariel Henry. D'après ça, ancien chancelier haïtien annoncé. Parti politique aidé et plusieurs autres organisations partenaires décidé lancer mobilisation lundi 5 février qu'a venu là à 11h dans matin. Parti politique aidé invité peuple haïtien dans une grosse mobilisation devant Primati Souboudon Kafoumiso pour nous dire Monsieur Ariel, temps fini. Pour nous dire pouvoir sanguinaire, nous pas capables encore. Pour nous dire 7 février, pas de route, pas voie. Ancien Premier ministre là, Claude Joseph dressé un bilan négatif par rapport à la mauvaise gestion du gouvernement Ariel Henry dans le courant de l'année 2023. Dans seule année 2023, il y a plus que 5 000 personnes qui mourent. C'est déjà plus de monde passé la guerre Ukraine avec la Russie. Dans seule année 2023, il y a 300 000 personnes qui sont déplacées, qui quittent les cailloux, qui n'ont pas de côté pour dormir. Ti fi ak fam y a violé. Klas moyen nan ki fin de pa fini. Pèp ayisyen pa kapab. D'après kek observatè, se pa tout pati ak organizasyon politik nan vi nasyonal peyi an ki dako ak demisyon gouvernement an plas la 7 fevriye kap vini la. Depi Port-au-Prince, mwen se Masia Revinme pou VOA Creole. L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, eh bien, grand pile coup de zam cap chanté dans divers quartiers capitales là, il y a une situation qui la cause, yon ratement gaz parce que camion citernio, il y a difficulté pour y aller faire gaz dans terminal Varoua qui trouvait dans zone Cité Soleil, Yves Manuel. Malgré présence force l'audio dans certains quartiers dans la région métropolitaine Port-au-Prince, gang Améo pas suspend marié coup de zam matin midi soir. Situation trouble ça a une grosse conséquence sur citoyens qui ont couru dans toute direction pour chaper polio en babal bandi. Mettez sous ça, pompe gasoline yo commencé rempli. Raison, camion citerne yo gen difficulté pour aller faire gaz dans terminal pétrolier Vareux qui situé dans voisinage Cité Soleil côté bandi yo a troqué cogno. Situation ça pas nouveau, c'est vrai, mais li panique citoyens yo qui pas connaît qui ça qui pral passer. Nan date 7 février k'ap rapproche la. Yon l'autre côté, certains établissements scolaires gen tan pran disposition pour fonctionner en ligne. C'est cas Sainte-Rose de Lima qui gen ti non jwet li, mais la lu qui décidé suspend kouyo en présentiel depuis mercredi 31 janvier 2024 la. Décision ça a venu après yon bal marron té atterri sous la cour établissement. Heureusement, pas de gen victime. Pendant temps ça, au commandement police nationale d'Haïtien a multiplié rencontre lio avec partenaires internationaux lio dans l'idée pour joindre bourade nécessaire pour couper phénomène insécurité qui mettait citoyens dans une situation difficile chaque jour plus. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis concernant crise nan Bessapla gen ancien colonel Imler Rebu qui sont spécialistes dans question sécurité qui mandé gouvernement pour prend responsabilité au Renato Saint depuis Port-au-Prince. Depuis lundi 29 janvier 2024 passé, aucun agent brigade dans sécurité air protégé BESAP pas autorisé circuler avec zam ak en uniforme dans grande ville à travers pays d'Haïti sous aucun prétexte, y a bien pour rester seulement zone l'état haïtien déclaré air protégé yo tant coup par exemple forêt des pins.
gouvernement haïtien qui a adopté mesure ça fait qu'on est que c'est pour améliorer climat sécuritaire paysan et ramener l'ordre et tranquillité pour tout haïtien et haïtienne. Démarche ça a provoqué en pile controverse en dans société haïtienne et suscité réaction bon côté certains spécialistes dans le domaine sécurité parmi eux. Ancien colonel Imler Rebu. C'est gouvernement qui tout connaît existence, les fonctionnements, attribution, le côté fait pour dire, le côté fait pour parler. Le gouvernement va même pour parler si le web est dans la rue. Ce n'est que vous voyez une note administrative pour corriger ça. C'est quand vous avez dit, ou est patrouille dans la rue, et puis le chef de la police a dit patrouille, il ne va pas prendre la rue. Donc, si patrouille prend la rue, c'est que c'est chef de la police qui a mis. Si on prend la rue en dehors de l'ordre, c'est que vous avez dit, vous sortez sous contrôle chef de la police là. Donc, vous dites, nous avons des ordres dans la tête de l'État. Pendant ce temps, le gouvernement haïtien a publié un arrêté mardi 23 janvier 2024 là, qui créait une commission technique restructuration agence nationale et protégée à NAP. Premier ministre Ariel Henry, via ministère environnement, mandé tout employé à tout monde qui attaché en dans institution pour yo rapporter yo dans bureau ministère environnement qui puis prêt dans intention pour capable enregistrer non yo pour capable régulariser situation oui dans tout ça pour VOA créole Port-au-Prince. Et bien, on dit que ancien colonel Imler Rebu lancé yon pinga yon l'autre fois encore concernant déploiement et policier Kenya yo dans pays d'Haïti. Et puis nous parlons dans canal là yon ingénieur cap travaille dans canal là invité tout agronome dans pays pour vinn poté coller en même temps tout pour li mandé yo pour travailler pour aller plus vite pendant cette construction canal là a continuer jour de la junior Saint-Ville. Le gros mouvement levé campé qui gagne dans ville Wanamet dernier jour c'est là yo travail construction canal irrigation rivière Massacre là pas campé bon sur continuer à mettre gabion dans débord rivière mais ça pas empêché ingénieur Claude Louis mandé pour travailler aller plus vite parce que d'après lui yo ta doit déjà quitter tête canal là pour yo commencer capter de l'eau. Ingénieur Claude Louis. Eh bien fait ça nous pour nous faire au plus vite que possible. Et tout adresser message là à comité hein. Voyez boss gabion yo fini ti quantité gabion qui restait là pour que nous capable continuer travail là. On a fait canal d'irrigation. Nous pouvons faire captage. Or sans captage pas gain irrigation. Or nous pouvons faire aucun canal secondaire. Plus activé et plus motivé pour que nous capable fini travail là. Faut que nous commencer captage là. Faut nous commencer canal secondaire et même canal tertiaire. Puis loin ingénieur Louis fait connait faut gagner un traitement qui fait dans tête canal là. Poser la question, qui traitement ça y est, ingénieur Claude Louis te répond comme ça. Dans tête canal là il y a bagaille pour nous faire. Il y a aussi crépissage nous supposé faire. Mais crépissage ça, c'est une sorte de traitement lié. Traitement ça mais qui ça lié, c'est pour nous empêcher de l'eau à filtrer en dedans même. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Et puis jeudi à c'est jeudi, donc chaque jeudi nous avons rendez-vous avec Cause Femme. Et bien côté Jean-Marc Hervé Abella recevoir Sandra Supreme et yon avocat immigration. Cassandra Supreme, c'est un jeune haïtien-américain qui fait dans la cour New York et qui grandit dans le pays d'Haïti, qui est maman et papa haïtien. Cassandra fait toute étude classique, car elle met sa requête toujours en Haïti. Après étude classique, elle retourne dans New York à côté de rentrer dans John Jay College of Criminal Justice à Manhattan, dans New York, pour plus souvent, pour étudier droit dans Franklin Pisa Law Center dans Concord, New Hampshire. Jeudi, Cassandra Supreme, c'est un avocat immigration. Et lui explique dans la cause des femmes qui ça qui te fait décider de venir un avocat immigration. C'est ma maman qui fait me choisir. pas vraiment penser à domaine immigration, mais penser avec droit international. Je devrais travailler pour les Nations Unies et puis représenter les Haïtiens à différents niveaux, peut-être dans l'OAS, Organization of American States. Mais moi, je suis entré dans l'immigration et puis je commence à faire tous les stages dans l'immigration. Et puis à la fin, je viens d'intégrer une organisation non gouvernementale, Catholic Legal Service, et puis je viens de ramener une organisation en pile, puis moi qui travaille pour les Haïtiens. Et puis c'est là que ça a tout été.
et puis m'pil ramène en pile. 7 septembre 2021, li rentre dans American en fort immigrant justice pour le travail. Côté li bay conseil, fait formation pour immigrants et li représente yo dans tribunal la immigration. Pour mettre Cassandra Suprin, plus grosse difficulté li rencontre dans travail li, c'était les jol. Problème que moi qui est difficile, spécialement dans la communauté par nous, c'est information, c'est les jol qui pas correct. Mauvaise information dans la communauté, depuis autant de bagay, yo changé li, ou bien essayer de moun, yo gen avocat, papa la avocat, autant de moun de yo, etc. Grand pile difficulté au côté besoin gain difficulté personnelle yo et puis gain difficulté immigration yo. Difficulté personnelle yo le plus souvent affecté en difficulté immigration parce que grand pile là yo malheureusement là au vin dans pays a c'est la car moun yo descend yo besoin côté puis yo besoin travail et puis le plus souvent yo focus sur quatre travail là. Le moment gain quatre travail là ou pas essayer continuer le processus pour ka gon papier permanent. Conseil mettre là pour compatriotes li yo. C'est pour haïtiens qui sous frontière Mexique États-Unis hein, cap essayer rentrer illégal dans pays États-Unis sans yo pas faire CBP 1 là. Mon cap essayer rentrer aux États-Unis kounya conseil yo, un processus pour rentrer à travers CBP 1. Continuer avec processus CBP 1. Raison pour laquelle il faut qu'on ou éligible pour asile et puis deuxièmement ou gain quatre travail. Mon cap rentrer sous CB sans CBP 1 qui pas tant tout pas yo, yo rentrer ici, yo pas même gain quatre travail. Quand on vient coller là, on garantit que tu as prêté à, au moment il y a beaucoup à voir. Tout autant pas contribuer. Qui j'en parle contribuer sous barin quatre travail. Ça c'est une. Deuxièmement, loi elle a changé. Dans le point de vue que si qu'on pas entrer sous CBP 1, sous j'en barin à coller là, on pas éligible pour asile. Même asile n'ont pas pu demander. Et sous pas demander, sous pas éligible pour asile, on pas quand même gain quatre travail sous asile. Ou coller. Ou pas gagner nan men. Mais tu prémandé, tout immigrant avant de prendre un avocat qui pour travailler pour eux, faut que vous cherchiez connait qui est avocat ça y est. Jean-Marc Hervé Abela, Miami, pour VOA Creole. Merci Jean-Marc Hervé Abela, on a rappelé que eh ben programme et Cause Femme passé chaque jeudi côté que nous bay femme yo la parole. Nous pratiquement arrivé dans fin programme nan Abdou que eh ben faut toujours capter nous toute plateforme que nous gagnons et fond du tout et dans football féminin mesdames yo calé jodi a 2-1 et Jean-Aubert a vu na plus détails là dans live Jean-Aubert l'a dit nous plus détails sous question Haïti et puis nous connaît gain Coupe d'Afrique des Nations cap valé terrain donc n'a su de très près pour situation donc nous pratiquement arrivé dans fin programme c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir faut dire que dans New York t'ai une belle exposition peinture qui relé et Love from Haiti et Glorieuse Nelson a bien pour venir parler nous de ça mais et pas santé dans un autre programme donc merci gentil pour service ou qui était ça ou les chefs de pupitre et puis Franklin bons amis Haïti semblé toute l'autre équipe là Jean-Robert Philippe Sandra Lemaire et puis Fred Kaimit qui l'autre bois et puis pas oublier donc demain n'a pas cassé rendez-vous encore demain c'est Jean-Robert qui a pour le présenter rendez-vous info moi-même on connaît maintenant la rue donc rendez-vous vers 3h moi-même 2h30 3h n'a pas même dans la rue moi c'est Jacques Belizer bonsoir c'est ton plaisir comme d'habitude pour nous t'avoir donc fais frédu pas bon ici moi c'est Jacques Belizer à demain.